Mon métier, moi, j'ai beaucoup de casquettes, c'est-à-dire que je m'occupe des vaches, donc ça commence à peu près dès 6 heures, je fais la traite. Ensuite, je donne l'alimentation. Ensuite, je vais à la fromagerie vers 7h30 donc pour transformer tout le lait qui a été fait donc le matin. Donc on traite, on récupère le lait, je transforme et puis rebelote le soir, je refais la traite et puis la transformation, ainsi de suite. Il n'y a pas deux jours avec la même météo, il n'y a pas deux jours où les vaches sont de la même humeur. Il n'y aura pas deux jours et deux traites où on aura le même lait. Et on doit s'adapter en fonction de ça. On n'aura jamais les mêmes températures. Les bactéries qu'il y a dans le lait ne vont pas travailler de la même manière. Et pour s'adapter, pour faire le fromage que le consommateur veut et qui est requis par l'AOP, on va être obligé de travailler de manière différente. J'ai besoin d'être dehors, de vraiment faire tout ce que je fais de A à Z, c'est-à-dire vraiment du lait jusqu'au fromage et puis après dire au client bah oui c'est moi qui l'ai fait, je l'ai fait comme ça et comment ça se passe ici. J'ai fait un stage en usine dans la zone AOP Saint-Nectaire et comme ça m'a bien plu, bah, j'ai poursuivi dans le Saint-Nectaire. J'ai réalisé mon stage du coup de bac STAV ici, donc grosse découverte du coup de la transformation fromagère et de la montagne. Et à ce moment-là, je suis vraiment tombée amoureuse, c'est-à-dire que j'adore avoir ce cadre de montagne, ces vaches. C'est l'exploitant donc, qui transformait son lait qui m'a transmis cette passion. De travailler avec un troupeau, avec un terroir, avec des méthodes ancestrales et de vendre ce fromage sur la zone. On est capable de vivre d'un produit avec un terroir en restant sur une zone qui est exceptionnelle, qui est quand même le terroir du Massif Central. Le Saint-Nectaire, c'est de la production laitière, de la production fromagère. On a aussi des caves d'affinage et puis c'est également de la vente, du commerce. Donc je veux dire, si vous avez plusieurs casquettes, eh bien ça peut complètement vous aller. Et puis ce sont des journées qui sont très, très différentes les unes des autres. Donc si vous voulez casser votre routine, il faut venir ici.